Le premier objet dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est une allée qui se trouve au bord du lac à Lausanne, à Vidy. Voici l'allée. Alors, elle est très calme, elle a l'air de rien, mais c'est sur cette allée que j'ai failli mourir à 8 ans. Je faisais du vélo, je poursuivais mon frère aussi à vélo, et on ne faisait vraiment pas attention parce que c'était une route que pour les piétons et les vélos. Pas de bol, un touriste s'est perdu et il roulait sur cette allée. C'était un Français qui avait vraiment perdu son chemin. Je me suis retrouvé sous sa Peugeot. Je me souviens de la sensation qu'il n'y avait plus de ciel, il n'y avait plus que la voiture et les quatre roues autour de moi. J'étais sous la voiture. Et quand je suis ressorti de là, je n'oublierai pas l'image de mon père, son visage. Il était blanc, il a l'impression de voir un revenant, parce qu'il était sûr pendant quelques secondes que c'est fini, j'étais mort. La voiture m'avait roulé dessus et je ressors de là indemne, sans aucune égratignure, un vrai miracle. Alors c'est un endroit calme, mais pour moi il est associé à quelque chose de terrible.